see here the wall at the back. とあちらの壁はここの宇野住まいっていう地区の津波の波高を表しています。ここの壁の上のところが11メートル。あ、津波は真っ黒だったので、しかも海から壁のように押し寄せてきたから、この黒い壁っていうのをモチーフにして作っています。その津波はありとあらゆる尊い命、多くの財産を奪い取りました。釜石市では1000人以上の方が津波で亡くなってます。目の前真っ暗、震災の後家族を失い目の前が真っ暗、真っ暗だと人は一歩を踏み出せない。でもちょっとの明かりでもあればその明かりの方に進んでいける、それが僕の中ではラグビーだった。そのラグビーでこの町を復興させたい、明るい未来につなげていきたい、そういう思いでラグビーワールドカップの誘致を市民活動として行ってきました。My name is Johnny Wilkinson and I used to play rugby. I was a professional rugby player for 18 years. Here it is for Johnny. Has he done it? He sure has. Heartbreaker for the Wallabies. During my career, I had many big victories, many big defeats. They'll take everything you have. I had some magic times, some amazing times. I also had some difficult times where I was injured and all these kind of things. So you might be asking why I'm here at Kameishi. We cannot imagine what it is that you've been through, what you experienced, and we never will know. So we wouldn't dream of trying to give any kind of advice. When we heard your story about how you'd embraced the opportunity of the Rugby World Cup following such a tragic disaster with the tsunami in 2011, we wanted to see if there was any way that we could help. やっぱり釜石という場所は、その鉄と魚とラグビーの町って言われる。新鉄釜石ラグビー部っていうのが79年から85年にかけて7回優勝して V7 という歴史があります。その釜石、新鉄釜石ラグビー部のことを北の鉄人というふうに日本では言っています。たくさんの人がいて賑やかな町でした。津波の前から少しずつ減ってはいますが、津波があってさらに減っている状況です。その中で部活動にこうラグビーに人を集めるっていうのがもうただでさえ困難っていうところがある。それが一番ですね。Rugby is an amazing sport. Everyone in a rugby team matters. Everyone is equally important. The future can seem challenging and it can seem threatening at times. Rugby helped me to realize that we can join forces and venture into this unknown with excitement and passion. (笑)3年5組
理数科の増田久弘です。私はいつも試合中に緊張してしまうことがあって、目の前のことにいっぱいになってしまって、判断を誤ることがよくあるのですが、それを乗り越えるためにはどのようなことをすればよいでしょうか。I was very similar when I was younger, but you have two choices. You explore or you control. And there are times where to control is very necessary and make sure nothing goes wrong, but you will never find your potential by controlling. When you are on the field, in the middle of the action, and you feel at your best, are you exploring or controlling? If you explore, I promise you, you will find out some amazing things. It seems as though this message with rugby is the same wherever you go on the planet. Before we came to see you, we stopped off at a few other places on the way. We went to West Scotland, where we met a high school team that was helping to strengthen their community. Let's go! We went to the Ivory Coast, where we experienced the impact of their participation as a team in the 1995 World Cup. We went to India, where we learned how women's rugby was helping with their emancipation in their society. And we went to Fiji as well, where rugby is not just a way of life, but also an immensely powerful way of offering something more to those that play it. And then we came here because we wanted to share their message with you. C'est là, entre les vieux murs de la rugby school, où tout a commencé pour ce sport, que l'idée m'a paru comme évidente. Cela m'aurait plu d'être là, au bord du Clos, ce jour de 1823, où William Webb Ellis a pris le ballon entre ses mains et traversé le terrain. Pas tellement pour assister à l'exploit, que pour voir comment les autres ont réagi et comment ils ont fini par s'approprier ce sport, l'aimer et le propulser dans la grande histoire jusqu'à nous. Je ne pourrai jamais revenir en 1823, mais je peux aller voir le monde et essayer d'aider à continuer de développer ce jour. Pas simplement parce que je l'aime, mais pour ce qu'il apporte aux gens. J'aime profondément le rugby, et plus on aime quelque chose, plus on a envie de le faire avancer. Revenir aux sources de l'histoire pour mieux explorer son avenir, voilà qui pourrait faire une bonne première étape. Hi, Conrad. Yes, Terry. How are you, my friend? Good to see you. Good to see you too. So you come with me in my city? Yeah, let's do it. Let's go. Nous aurons un temps de 5h55 minutes pour rejoindre Abidjan. Mon ami Thierry de Setoy a été un grand capitaine de l'équipe de France. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'il a vu le jour et qu'il a grandi. À Divo, à quelques heures de route à l'ouest d'Abidjan,
il n'y était plus lorsque le club de rugby est né au lendemain de la seule participation du pays à une Coupe du Monde en 1995. Et est-ce qu'il est arrivé? Bravo. Bon, ben ça. Ouais. Ça va? Oui, ça va. Ça va? Oui, ça enfin, va. Moi, je te présente Conrad. Bien arrivé, bon arrivé. Vincent is the head coach of Divo. OK, OK. Ouais. Santé. Ouais. Conrad. On est très heureux. Je pense que on va arriver à Divo et ensemble, on va voir ce qui vous attend là-bas. Voilà. Bon, Vincent, ça va? Oui, ça va, ça va. Ça fait 10 ans. Hein. Ça fait 10 ans. Ouais. Il avait envie d'y revenir, d'aider à son tour ceux qui ont aidé l'enfant qu'il fut. Il voulait emmener quelqu'un avec lui pour apporter aux siens une expertise supplémentaire. Il fallait un symbole fort. Quoi de plus fort en rugby qu'un All Black, champion du monde, double champion du monde même. Là, on est au centre-ville de Divo. Là. Moi, j'habite en bas. Là. Là, tu rentres dans le marché. Voilà. This is where I grew up. Yeah, yeah. A bit different than New Zealand, where I grew up. But... Merci de nous accueillir. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un match important parce que vous rencontrez TBO, c'est champion de titre. Bon, nous, on vient vous regarder. On vient pendant quelques jours avec mon ami Conrad vous supporter. Et voilà, on vient partager avec vous. Donc, merci encore de nous accueillir. Et voilà, je vous présente Conrad Smith, contre lequel j'ai beaucoup joué, qui a été l'un des piliers des All Blacks pendant des années, deux fois champion du monde, 94 sélections chez eux. C'est quelque chose, l'expérience spéciale déjà. J'ai jamais pensé à... Je viens de ce pays, c'est Côte d'Ivoire, et jamais pensé regarder un match à Côte d'Ivoire. Mais la chose que j'aime le plus de rugby, c'est l'ambiance, hein? C'est l'amitié, comme ça. C'est le même en Nouvelle-Zélande, France, ici. Donc, merci. Le club existe depuis 1998. La devise du club, c'est petit, puissance, rapide. Petit, puissance, rapide. Nous sommes beaucoup endurants et puis nous sommes beaucoup motivés. On n'a pas peur d'affronter des groupes. On suit, monsieur. Quand tu descends, tu gardes le ballon. Quand il commence à arriver, maintenant, tu présentes le ballon. Hein? Tu es 15 joueurs sélectionnés en équipe nationale de rugby à 7. Le tiers des joueurs vient de Divo. C'est-à-dire 5 joueurs sur 15. Donc ça, c'est une performance. C'est le cœur. Nous aimons ce sport. Ah, Divo Rugby, oh, on va se faire plaisir là avec le rugby de Divo. On n'a pas besoin de parler. Tout le monde est calé ici. On va s'amuser, oh, oh, Divo Rugby est là, oh. À l'ouest des montagnes des Highlands, au cœur des îles Hébrides, le rugby s'est construit quelques solides bastions sur une terre qui, lui, est à l'origine étrangère. Il y vit bien, au rythme des marées
du souffle du vent et des longues soirées à la lumière du clubhouse de Aubin Lorne RFC. Il y vit même de mieux en mieux depuis quelques années que le lycée local a adopté le rugby. Pour découvrir cette histoire et distiller au passage quelques conseils, il fallait une rude gaillard tout terrain. Christian Califano, un des meilleurs piliers du XXe siècle, en est un. L'accent écossais pouvait être un challenge pour lui, mais Cali a le langage le plus universel du monde, le sourire et la bonne humeur. Nice to meet you, Christian Califano. Oh, the prob. Yeah, the same. Yeah, same, yes. Yeah. Now or before? Now. Now, yeah, I understand. Yeah. Any help? Yeah, if you want, yeah. We'll go outside to put I'll the go with you. Ones on. We'll Are you all right? Yeah, good. You played the afternoon? Yes, playing, yeah. How long you play for this club? 2005 I was here, yeah. Because you are South African? South African, yes. Yeah. This way? This one, yes, that one there. I was going to put one in the corner there and I put it down the bottom. Why are you rubbing here? Why? Why you chose the Durban? Well, I was in London for 10 months and I was doing security work. Yeah? And I was playing rugby before I came over, so I didn't enjoy it because I couldn't play rugby. I was working all the time. Yeah. And one of my friends came and visited me and he says, I was going to go back to South Africa. Yeah. And he says, don't, you're going to make a mistake. Just go up to Scotland, you know, the people is nice. Yeah, the life? I came here, the life, you know, so it's like South Africa, the people are nice and they're tight. You think it's similar? Similar, it's very tight people, you know, family. So I came here, as soon as I started playing rugby, I met my wife here. Now I've got two kids, just through the... How old, the kids? 9 and 6. 96. Is a boy and girl or? Two boys. Two boys? Yes. Five girl. You understand? Good luck. And little hush, lads. Hello, guys. How are you? Yeah, good, thank you. I like the changing room because it smells very well, you know. Yeah. I like. Who is Tayyad Prob? The Tayyad Prob. Tayyad Prob is calm. You play winger before? Yes. Are you sure? Guys, I don't disturb you too much. Good luck for the game. Thank you. I'm awesome. Go to the win. Thank you. I want to see that passion. I want to see that passion and the aggression, yeah? Oh, game. You put on this top. Boys. I want to see that. Passion, boys, I want to see in your eyes, yeah? I want to trust my inside man. Come on. Big game, boys, yeah? Nothing short of 5 points today. Clinical, yeah? All of us child, no hiding place, boys. Leave the stupid things behind, yeah? Everything we do, positive. Okay? Shard. Younger boys, don't be afraid to talk, yeah? Always chatting. Talk to the guy next to you, yeah? In defence especially. If you see there's an overlap, wingers, call it early, yeah? Nice early calls, yeah? Do you want it, boys? Yeah! Let's get it up and going, boys! Yes! Let's get it up and going, let's go! Come on! Brazo! Divo! Petit Pizarre Ami! Divo! Petit Pizarre Ami! Divo! Petit Pizarre Ami! Tatrizard! Like the haka? I wasn't expecting it, but it was, yeah, very good. Good feeling. I'm excited. I want to, Different than the... A little bit different. Murray one, a little bit different, but still very good. Thank you.
Thibaut qui vient de plaquer là. C'est quoi ses qualités? Il défend. Il défend? À vitesse. Oh, on a vu ça sur quelques relances là, il y a du feu dans les jambes. Zozo, c'est l'un des pions forts de l'équipe. Zozo, c'est le tournant le mou de l'équipe. Pas par la taille, mais par la force, par sa rapidité, par ses plaquages. Ce qui me plaît beaucoup chez lui, c'est le 1 contre 1. Là, quand il a son 1 contre 1, à 95 ou 100, il passe. Tu crades et puis là, c'est fini. Là. La dernière fois, nous avons joué la Coupe régionale d'Afrique de l'Ouest de rugby à 7. On avait le final face à le Nigeria. Le match était un peu tendu. À la dernière minute, lors de la prolongation, le bal de feu, je vous ai fait un dernier essai que personne ne s'imaginait. Personne. Ils m'ont donné une balle que j'ai commencé à dribbler. J'étais le plus petit, mais on me soulevait. Zozo, on commençait à chanter, tout le monde était content. Zozo, il vient de Divo, dans une petite ville de la Côte d'Ivoire. Il vient nous donner la coupe. Moi, je ne vais jamais perdre. Du coup, ben, ça arrivait. Hélas, c'est un match. Hein. Il y a toujours un gagnant et toujours un perdant. En tout cas, bravo pour l'énergie que vous mettez dans chaque match. C'est important pour le rugby en Côte d'Ivoire. Et c'est, je pense que c'est aussi important dans le rugby dans le monde. Évidemment, on en parlera, on va regarder sur le prochain entraînement si on peut vous donner deux, trois axes de travail. Continue à augmenter, profite de l'expérience, hein. C'est bien. Pour moi, c'est top. Super, merci. Bon, c'est ici chez toi? Oui, c'est les maravilles. Vous êtes un moment. Bonjour, merci. Ça va, merci. Tu viens souvent aider ta maman? Pendant les jours où il va pas à l'école, il vient ouvrir le magasin et il sort la marchandise en tant que moi je finisse mes petits travaux ménagers. Tu as des frères et sœurs? Deux petites sœurs. C'est toi le grand. C'est lui qui veut être sportif. Joueur de rugby. Chaque lundi, j'ai déboursé 15 000 francs pour son transport aller et retour. Son déplacement, son hébergement, son alimentation. Moi, je lui ai dit que je n'ai plus d'argent, que je ne peux plus continuer. Il m'a dit, ah, maman, pardon. Tu es enfant de pauvre, tu es orphelin. Et le peu d'argent que je mets pour manger, tu prends, tu fais le transport, tu vas, tu joues. Bien, on vous donne les médailles en or, et puis il n'y a rien. S'il n'y a pas la reconnaissance, ça c'est assez compliqué, mais malgré tout, tu as la force de continuer à jouer, de bien jouer. Moi, je voudrais jouer en tant que pro. Je vais jouer dans un bon club. Si possible, aller jouer ailleurs. En tout cas, ma passion, c'est de jouer au rugby. Si le rugby le reconnaît, en tout cas, je serai content. Lui aussi, c'est que son but est atteint. So please.